Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans une vidéo précédente, j'avais parlé des social games, ces petits jeux principalement développés en Flash qui se jouaient sur les réseaux sociaux comme Facebook. J'avais évoqué l'engouement qu'ils suscitaient auprès des casual gamers, mais aussi du modèle économique qui permettait à ces jeux d'être de véritables mannes financières pour les éditeurs et parfois des pompes à fric pour les joueurs. Ces jeux étaient basés sur le principe du free-to-play, abrégé F2P, soit jouer gratuitement, c'est-à-dire la possibilité aux joueurs de tester un jeu, de jouer gratuitement. Malheureusement, la gratuité, ça se paye toujours un jour ou l'autre, et pour continuer son expérience de jeu, le joueur devra inévitablement passer à la caisse. Ce système, qui ne date pas d'hier, est en train de révolutionner le jeu vidéo, et nous allons tenter d'expliquer ce qu'est le free-to-play. Avec la démocratisation d'Internet dans les foyers et la généralisation du haut débit au début des années 2000, de nombreux jeux en ligne ont fait leur apparition. Devant leur succès, ces jeux sont devenus massivement multijoueurs. C'est ce qu'on appelle des MMORPG, ou des MEPORG pour certains. MEPORG, explique Comment le journal. Les MEPORG étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. MEPORG. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Ces jeux étaient le plus souvent téléchargeables et jouables sur PC, et offraient la possibilité de jouer en ligne avec le monde entier en payant un abonnement mensuel. World of Warcraft, édité par Blizzard, utilise toujours ce système de nos jours. Pourtant, en 2001, le premier free-to-play va voir le jour en Corée du Sud. Il s'agit de MapleStory, édité par Nexon. A partir de là, la Corée du Sud devient un pionnier et deviendra un des leaders dans l'édition de jeux free-to-play. Le principe est simple. Le joueur n'a plus à acheter le jeu physiquement. Il le télécharge et l'installe sur son PC et peut jouer gratuitement en ligne. On peut se demander comment un jeu gratuit peut-il être rentable. Tout repose sur plusieurs concepts. De manière générale, le joueur est vite confronté à la frustration. Pendant quelques minutes, voire quelques heures, le joueur pourra profiter pleinement de toutes les fonctionnalités, mais sera vite freiné par un gameplay qui impose des temps d'attente entre les constructions ou les utilisations de soldats fatigués pour repartir au combat par exemple. Le jeu proposera ainsi des objets de triche qui vont lui permettre de dépasser cette frustration en l'achetant dans des boutiques virtuelles, le plus souvent avec de l'argent virtuel via des micro-paiements. Le joueur pourra ainsi acheter des objets virtuels, des continus, des habillages de personnages, des niveaux supplémentaires, tout étant différent selon le jeu. C'est ce qui amènera le jeu free-to-play à devenir un pay-to-win, payer pour gagner. Payer accélérera fortement l'évolution de la partie par des avantages significatifs et surtout par rapport aux autres joueurs qui ne payent pas. Cette mécanique, parfois jugée injuste, sera la base de la rentabilité d'un free-to-play, qu'elle soit peu ou fortement envahissante, rebutant ou pas certains joueurs. Il n'y a pourtant aucune corrélation entre le fait de devoir payer et le succès commercial d'un jeu, l'un n'empêche pas l'autre. Les joueurs qui dépensent beaucoup d'argent sont habituellement appelés des baleines, ne représentent qu'un % des joueurs, mais génèrent une grande partie des revenus pour l'éditeur. Ainsi, la FUE, First User Experience, la première expérience utilisateur, sera très importante. Les développeurs de jeux devront donc apporter un soin tout particulier à cette phase pour accrocher le joueur et l'inciter à revenir sur le jeu afin de le fidéliser, en espérant qu'une fois accroché au jeu, il passera par un paiement pour continuer son évolution et son expérience. Dans cette révolution du jeu vidéo, certains communicants affirment que tout le monde y gagne, les éditeurs mais aussi les joueurs. Plaçons-nous d'abord du côté des éditeurs. Pour le président d'Electronic Arts, dans le futur, Electronic Arts sera une entreprise de free-to-play. Autant dire que cela deviendra bientôt une norme de l'offre de jeux sur le marché. Les coûts de développement d'un jeu vidéo sont de plus en plus chers, et parfois les frais de marketing et de commercialisation dépassent les frais de développement, afin de faire connaître le jeu à le plus de monde possible. Devant la dématérialisation, les supports physiques tendent à disparaître. C'est déjà le cas pour le secteur de la musique. Tout ceci permet aux éditeurs de faire des économies en supprimant en intermédiaire les distributeurs. De plus, un éditeur n'a plus besoin de produire physiquement un jeu puisqu'il sera disponible uniquement en téléchargement. Le développeur Valve Corporation, qui s'est spécialisé dans les free-to-play, ouvrira ainsi en 2003 le site Steam, qui est une plateforme de distribution de contenu en ligne
principalement orientée autour du jeu vidéo. Steam, qui dépasse les 60 millions d'utilisateurs dans le monde, permet d'acheter des jeux, du contenu pour les jeux, obtenir des mises à jour ainsi que des outils communautaires. Autre avantage du free-to-play pour les éditeurs, lutter contre le piratage, puisqu'en effet un jeu gratuit n'a plus vraiment la crainte d'être piraté, même si le piratage d'objets virtuels existe mais reste anecdotique. Enfin, les coûts de développement étant élevés, comme nous avons vu, les éditeurs sont parfois réticents sur certains projets de jeux. Avec le free-to-play, ils vont pouvoir proposer des jeux en version test ou bêta afin de savoir si un jeu aura oui ou non du succès. Et si c'est le cas, de nombreux ajouts seront faits et une version finale verra le jour, ou bien le jeu sera complètement abandonné. Les éditeurs prennent donc moins de risques, les bénéfices sont plus importants, les actionnaires se réjouissent et les marchés financiers se frottent les mains. Maintenant du côté des joueurs. Quels sont les avantages et les inconvénients pour les joueurs de voir débarquer ce nouveau type d'offre de jeux vidéo ? Eh bien tout d'abord, c'est le concept même du free-to-play. Un joueur peut essayer un jeu avant de décider de payer pour ce jeu. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, il suffit juste d'avoir le matériel informatique pour jouer. C'est aussi un avantage pour les éditeurs qui peuvent toucher un plus large public et ainsi créer une communauté autour du jeu que les utilisateurs affectionnent de par ce côté massivement multijoueur. L'offre étant de plus en plus importante, le joueur peut largement se faire une idée des jeux proposés sur le marché, quitte à le désinstaller si le jeu ne lui convient pas. Ensuite, il n'y a que cet avantage pour les joueurs, la possibilité de découvrir et de jouer à de nombreux jeux gratuitement, jusqu'à une certaine limite. Ma mère m'a toujours dit que rien n'était gratuit dans la vie. Par contre, la critique de ce nouveau système se focalise surtout sur les mécaniques psychologiques, puisqu'en créant un jeu, les développeurs travaillent de manière scientifique pour ajuster le gameplay en fonction de profils de joueurs type. Toujours pour inciter le joueur à payer pour des avantages, il y a ceux qui seront impatients et paieront pour accélérer ou réaliser des actions trop longues, et il y a ceux qui seront plus sur le côté personnalisation en payant pour acheter des objets virtuels comme de nouvelles armures ou armes pour leur héros. S'ensuivra inévitablement une guerre d'usure psychologique entre vous et le jeu pour réfréner l'impulsivité d'achat. Les éditeurs devront trouver le juste milieu pour fidéliser au mieux les joueurs. De plus, certains jeux peuvent être rentables pendant quelques mois et ne pas devenir viables à long terme. Les éditeurs n'hésitent alors pas à supprimer une plateforme de jeu si c'est le cas. Il y a tellement de jeux proposés que la concurrence reste très importante et le pauvre joueur qui a payé une certaine somme pour continuer son expérience de jeu se sent légèrement floué quand celui-ci est abandonné, ce qui ne serait pas le cas sur un jeu sur support physique, jouable autant qu'on veut. Malgré tout, le modèle économique du free-to-play est en passe de devenir la norme pour les éditeurs de jeux. Ce modèle se retrouve également sur téléphone mobile qui utilise évidemment les mêmes mécaniques de jeu pour inciter les joueurs à payer pour continuer durablement leur jeu, que ce soit des Angry Birds, des Farmville ou des Candy Crush Saga. Aujourd'hui, de nombreux jeux sont disponibles en free-to-play dans des genres, des gameplays et des univers différents. On peut citer le jeu Hearthstone de Blizzard qui est un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Warcraft. Des FPS ou TPS, des shooters à la première ou à la troisième personne, comme Team Fortress 2, Fireball, Ghost Recon Online. Mais aussi des browser games, des jeux par navigateur, qui sont souvent des jeux de stratégie, gestion combat, dont l'éditeur Gameforge est un des spécialistes, mais aussi le jeu Travian. Et enfin, cela peut être ce qu'on appelle des MOBA, des free-to-play qui proposent des batailles dans une arène, comme League of Legends ou Dota 2. De nombreux free-to-play sont également joués lors de championnats, ce qu'on appelle le sport électronique. De gigantesques tournois où s'affrontent des équipes au niveau mondial et parfois professionnelles donc sponsorisées, qui peuvent remporter d'énormes sommes d'argent en cas de victoire. La Corée du Sud, inventeur des free-to-play, en sont des figures emblématiques. Pour conclure, la notion de free-to-play reste assez vague et rarement véridique. Aucun jeu ne peut être proposé entièrement gratuit. Il en va de la survie économique des éditeurs. Même si cela permet aux joueurs de se créer des expériences de jeux diverses en essayant plusieurs jeux de manière gratuite, le passage au pay-to-win est inévitable pour continuer cette expérience et continuer son évolution acquise lors de la phase gratuite. C'est ce que le terme freemium signifie, qui offre au joueur la comparaison entre ce qu'il a en ne payant rien et tout ce qu'il pourrait avoir en payant. Beaucoup de jeux, comme des browser games, peuvent offrir une expérience entièrement gratuite. Malheureusement, ces noobs, ces joueurs débutants, se retrouvent vite confrontés à des joueurs qui, eux, payent et le déséquilibre est de plus en plus important. Les free-to-play trouvent leur force dans le gameplay et l'univers du jeu qui rendent addictif. Et un bon free-to-play n'a rien à voir avec un jeu au graphisme incroyable, mais plutôt au fait que l'on puisse jouer à long terme sans avoir à payer à tout bout de champ pour continuer.